Good morning, allez Eden, nous sommes aujourd'hui le vendredi 10 Adar Alef 5776 et l'étude sera Leilo Nishmat Rivka Bat Sara et Nizchut Myriam Elisheva Bat Suzanne et les Eugagoun. Nous étudions aujourd'hui le Perek Bet Mishnah Hey Sho Amazik Birshut Anisak Keitzad Nagaf, Nagaf, Lashach, Ravatz, Baat Birshut Arabim, Meshalem Chatzi Nezek Birshut Anisak, Rabbi Tarfon Omer Nezek Shalem Vachachamim Omrim Chatzi Nezek אמר להם רבי טרפון, ומה במקום שהקל על השן ועל הרגל ברשות הרבים, שהוא פטור, החמיר עליהם ברשות הנזק לשלם נזק שלם, מקום שהחמיר על הקרן ברשות הרבים לשלם חצי נזק, אין עודים שנחמיר עליה ברשות הנזק לשלם נזק שלם, אמרו לו, דיו, לבא מן הדין להיות כנידון, בברשות הרבים חצי נזק, אף ברשות הנזק חצי נזק. אמר להם, אני לא אדון קרן מקרן, אני אדון קרן מרגל. ומה במקום שקל על השן ועל הרגל ברשות הרבים, החמיר בקרן. מקום שהחמיר על השן ועל הרגל ברשות הנזק, אין עודין שנחמיר בקרן? אמרו לו, דיו לבא מן הדין להיות כנידון. מה ברשות הרבים חצי נזק, אף ברשות הנזק חצי נזק. משנה, לונג. Qui sera à 90% bien clair et 10% bien complexe. On va déjà d'abord, la Mishnah ne parle que d'un seul sujet, de Shor à Shor Keren, Birshut à Nizak, le taureau qui encorne dans la propriété du Nizak de l'endommagé. Comme tout ce Perek, on continue à préciser davantage la Mishnah, la dernière Mishnah du Perek Aleph, de Chamisha Tamin, Chamisha Mouadin. Ce que vous avez remarqué, on avait dit Ketsad Aregel, Ketsad Hashem Mouedet, Ezotam Ezomouad. Après, il y avait maintenant le nouveau cas de notre Mishnah qui parle de Shor Amazik Birshut Anizak. La Mishnah va se présenter comme ça. D'abord, on va faire état d'une discussion entre Rabbi Tarfon et Chachamim. Et puis ensuite, la deuxième partie de la Mishnah, alors ça va être un débat entre Rabbi Tarfon et Chachamim où chacun va essayer de convaincre l'autre qui a raison sur sa halakha. Dès qu'on rencontre dans le chat une Mishnah longue, en général, c'est parce qu'il va y avoir un débat. C'est assez intéressant de voir comment les Tanaïm se parlent entre eux. En tout cas, concrètement, on va d'abord lire et traduire, expliquer la première partie de la Mishnah. D'abord, c'est la halakha net. Qu'est-ce qu'on fait quand le taureau... C'est-à-dire, on va commencer plutôt par là. Le keren, on avait dit keren, c'est la corne qui est encore dans le Rishut Arabim, c'est explicite. Il faut payer Khatinezek, c'est Mephorage dans la Torah. Depuis le début, on paye Khatinezek. D'accord, c'est la singularité du keren, que de nature un taureau n'encorne pas, mais malgré tout la Torah m'a dit, paye quand même un petit knas, une petite amende de Khatinezek, tu payes 50% du dommage, comme ça tu vas un peu mieux surveiller ton taureau. Maintenant, quand mon taureau entre dans le Rechut Anizak, dans la propriété de l'endommagé, alors là-bas, si mon taureau encorne le taureau du propriétaire de l'endroit, alors Chachamim continue à nous dire, tu sais, tu continues toujours à payer Khatinezek. Pourquoi? Parce que mon taureau n'est pas censé encorner. S'il est encorné, il faut quand même payer Khatinezek. Il faut payer juste Khatinezek. Ce n'est pas plus grave d'entrer dans la propriété de l'endommagé que de l'encorner dans le Rechut Arabim, dans le domaine public. Rabbi Tarfon, lui, va déduire qu'il faudra payer dans ce cas-là Nezek Shalem. Payer plein pot. Comme chaîne et régal qu'il faut payer plein pot, alors là aussi il faudra payer plein pot. Donc ça c'est la première partie de la Mishnah, c'est la discussion. Avant d'expliquer les raisons. Alors la Mishnah nous dit comme ça. Shor Amazik Birshut Anizak Keitzad. Quel est le cas que je t'ai mentionné dans cette fameuse Mishnah, la dernière Mishnah du Père Grishon, où je t'ai dit que le Shor Amazik, le taureau qui va encorner et qui est encore tam, simple, inoffensif, non averti, et que malgré tout il va payer Nezek Shalem quand il va rentrer dans la propriété du Nizak, de l'endommagé, Keitzad, comment il est le cas? Nagar, Nagaf, Nashach. Nagar, c'est qu'il a encorné. Nagaf, c'est qu'il a poussé avec son corps, mais toujours avec Kavana, Léazik, avec intention de faire du mal. Nashach, il a mordu. Ravatz, il a donné un coup de pied. Ravatz, c'est qu'il s'est affalé avec intention de faire du mal, de casser des ustensiles. Ravat, il a donné un coup de pied. Birshut Arabim, Meshalem, Khatinezek. Ça, c'est une halakha admise. Quand on est dans le domaine public,
il faudra payer Etrat Sénézek, la moitié du dommage. Par contre, Birchut Anizak, s'il est rentré faire ses dégâts dans le domaine de l'endommagé, Rabbi Tarfon Omer, Nezek Shalem. Rabbi Tarfon dit qu'il faudra payer Nezek Shalem, plein pot, 100%, couvrant intégralement le dommage. Rachamim Omri, Chatsi Nezek. Ajoutons tout de suite une petite précision. Le Nezek Shalem que Rabbi Tarfon nous dit de payer, attention, c'est un Nezek Shalem payé plein pot, mais de manière originale, c'est avec responsabilité limitée jusqu'à la valeur du taureau lui-même qui est encore né. C'est-à-dire la même halakha, la même particularité qu'il y avait dans le Shortam qui paye Chatsi Nezek, Rabbi Tarfon va nous dire cette fois-ci, tu fais monter le plafond jusqu'à la valeur de tout le dommage, mais attention, tu ne payeras jamais de ta poche, tu payes selon la valeur, jusqu'à au maximum le plafond, jusqu'à la valeur du taureau qui a causé le dommage. C'est une particularité. On ne va pas l'expliquer, sinon ça fera trop de données d'un coup. Et puis là, on va déjà introduire maintenant la deuxième partie de la Mishnah. Ouh, on va essayer de le faire un peu clairement. Alors, la deuxième partie de la Mishnah, regardez, c'est simple. On va introduire deux notions. La notion du Kal Vachomer et la notion du Dayo. C'est deux notions qui sont très faciles. Et quand on va les appliquer dans la Mishnah, la première partie de la Mishnah va être très simple. La deuxième partie de la Mishnah, ça va se compliquer. C'est un flou, mais ce ne sera pas un flou, ni que pour vous qui m'écoutez, ni que pour moi qui vous donne secours, mais tout simplement pour même tous les mefarshim, tous les commentateurs qui s'arrachent les dents, les cheveux, la barbe, pour essayer de comprendre une difficulté particulière qu'il y a dans cette Mishnah, mais elle sera quand même bien comprise à 90%. On va essayer de faire notre mieux pour être le plus clair. Je vous annonce tout de suite que ce sera un cours qui durera un peu plus qu'un quart d'heure, 20 minutes. J'espère qu'on s'arrêtera quand même à 22-23 minutes, mais pas plus. Mais bon, il faudra ce qu'il faut. C'est quoi un Kal Vachomer? Alors d'abord, on va donner une petite généralité qu'on introduisait à la Mishnah, on l'explicitait. C'est que Hachem n'a pas écrit toutes les halachot explicitement dans la Torah. Il nous a donné un texte qui comprend plusieurs directives, et aussi il nous a donné des codes de lecture et de déduction logique à partir desquels on va pouvoir comparer de plusieurs manières des éléments, des situations, pour ensuite déduire la halakhot sur tout. D'accord? Maintenant, une des règles de déduction, c'est le Kal Vachomer. La déduction par a fortiori. Hachem nous a donné des fois des halakhot qu'il a explicité dans un certain domaine, et dans un autre domaine, la Torah nous donne uniquement un petit élément, mais que malgré tout, on va pouvoir déduire par a fortiori, et appliquer la halakhot de l'un pour l'autre. Les éléments qu'on aura appris dans le comparant, on les appliquera chez le comparé. L'exemple à Kal Vachomer, ça signifie Kal Vachomer, le léger et le plus grave. C'est qu'on va déduire on va appliquer la loi qui a été dite, la loi stricte qui a été dite dans le cas léger pour le déduire pour le déduire et l'appliquer sur le comparé qui sera plus tramour, plus grave. L'exemple qu'on donne en général, quand on explique le Kal Vachomer aux enfants, c'est le fameux exemple de la mastodonte et du gringalet. Mes copains de classe vont sûrement se souvenir de notre rav qui nous parlait du mastodonte et du gringalet. Ben c'est un très bon exemple en fait. Donc l'idée elle est simple, c'est que si quelqu'un de maigre, de petit, pas très fort, est capable de porter une charge de 10 kg, moi qui suis beaucoup plus grand et fort et gros que lui, suis capable, moi aussi, de porter cette masse de 10 kg. C'est l'axiome de base. C'est la notion de dur par a fortiori. Si déjà toi, le petit, tu es capable de faire cette tâche lourde, alors à plus forte raison que moi, le grand, je vais pouvoir la faire. Ça, c'est l'exemple très grossier qu'on peut rapporter. Il faut sur ça quand même rapporter deux petites précisions. La première d'abord, c'est que pour comparer deux éléments, deux situations, le gringalet et la mastodonte, alors ça ne suffit pas juste de fonctionner avec l'intuition disant oui, moi je suis plus grand et toi tu es plus maigre. Non, il faut trouver forcément une performance sur un point dans lequel j'ai déjà prouvé que je suis plus fort que lui. C'est une règle de la Torah. C'est-à-dire, par exemple, si on va vouloir appliquer, on reste toujours sur notre exemple de la mastodonte et du gringalet, il va falloir dire non, regarde,
quand il a fallu pousser la voiture, toi tu n'as pas réussi à pousser la voiture et moi j'ai réussi à la pousser. Donc regarde, j'ai déjà prouvé avec une performance que moi je suis plus fort que toi. De ce fait, si toi tu réussis à porter 10 kilos, moi aussi je serais capable de porter 10 kilos. D'accord ? Il faut forcément trouver un élément de comparaison à partir duquel on va établir un ordre, une hiérarchie entre les deux comparants comparés, entre les deux éléments. Et puis ensuite, on va appliquer les caractéristiques que l'un aura, en les donnant les caractéristiques, les lois que l'un aura, on les donnera à l'autre. L'idée est claire, c'est simple, tout va très bien. Un deuxième élément maintenant qu'on va introduire, c'est la notion du dayo. Dayo la baminadin li hiot kanidon. Le comparé ne peut pas aboutir à une halakha déduite, plus lourde, plus rigoureuse que le comparant. Si on reste sur l'exemple du gringalet et de la mastodonte, ça sortirait que je ne pourrais pas dire au gringalet, si déjà toi tu peux porter 10 kilos, moi je peux porter même 11 kilos. Parce que finalement, si vous allez me dire que je... Ouais, j'ai rajouté, lui il peut porter 10 kilos, or moi je suis nettement plus fort que lui, puisque j'ai posé une voiture tout seul, et lui n'a pas été capable de la bouger d'un millimètre. Donc je suis beaucoup plus fort. Donc dans ce cas-là, c'est sûr que je peux porter beaucoup plus que lui. Peut-être que je vais pouvoir porter 11 kilos, 12 kilos, 15 kilos, 20 kilos, mais peut-être aussi 50 kilos. Alors finalement, où on va mettre la barre? Alors sur ça, on a une loi qui nous dit, attention, Dayo, mais la chose Day, comme ce qu'on dit quand on dit à quelqu'un Day, ça suffit. Dayo, ça lui suffit. Les Baminadin, pour celui qu'on a déduit, pour le comparer, l'Iyot Kanidon, d'être au mieux de sa forme, d'être comme le comparant. C'est le maximum qu'on peut lui donner. La notion est claire. Et on a assez d'éléments pour maintenant revenir sur notre Mishnah. On va travailler à partir d'un tableau. Regardez, ça se passe comme ça. Il y a des éléments qui sont clairs dans la Torah, explicites, que j'ai écrit en bleu en l'occurrence, et un élément spécialement qu'on ne connaît pas encore. Les éléments explicites, ce sont Shen Veregel Birshut Arabim, Shen Veregel Birshuta Yachid, c'est-à-dire les Nezakim avec le pied que l'animal fait en marchant ou bien en mangeant, dans le domaine public ou bien dans la propriété de l'endommagé. La Torah a été explicite. Elle a dit Ubir Bisdacher, ça signifie que Shen Veregel, la dent et le pied, quand tu es dans le Rishut Arabim, tu payes rien. Walou, 0%, Gournisht. Et quand tu es dans le Rishut Yachid, dans le domaine public, dans le domaine privé, tu es rentré maintenant dans la propriété de l'endommagé, alors là tu payes plein pot. Je ne le connais pas, ni en arabe, ni en yiddish. Plein pot. D'accord ? Ça, c'est deux éléments clairs. Donc on a ici, on est capable maintenant, apparemment, d'établir une certaine hiérarchie entre le domaine, le Rishut Arabim et le Rishut Ayachid, entre le domaine public et le privé, où on paye, on est beaucoup plus, la Torah a beaucoup plus condamné le nézek, le dommage causé dans le Rishut Ayachid que dans le Rishut Arabim. Regardez, c'est un élément net. Mais il y a aussi une autre chose qu'on connaît. C'est la halakha de Keren qu'il faut payer Khatin Nezek. Que quand le taureau en corne, il doit payer Khatin Nezek, cette fois-ci même dans le Rishut Arabim. Mais Khatin Nezek, la moitié du dommage, 50% uniquement. Donc regardez, on a maintenant un nouvel élément très important de comparaison. C'est que finalement, on peut aussi établir une relation, une hiérarchie, un ordre entre Shen Veregel et Keren, que dans la Torah a été beaucoup plus, a beaucoup plus condamné le Keren que le Shen Veregel. D'accord ? Voilà les deux notions. Je vous jette déjà l'idée générale qu'il va y avoir, comme ça nous aide ensuite pour avancer beaucoup plus vite. Rabbi Darvon va commencer à déduire dans cet ordre. Il va établir une hiérarchie du haut en bas, du Rishut Arabim sur le Rishut Ayachid, pour ensuite appliquer ça de nouveau sur le Keren, du Rishut Ayachid, du Rishut Arabim. Chachamim vont lui dire, t'as pas le droit là parce que t'en as donné beaucoup trop, étant donné que ton comparant ce sera 50%. Et donc Rabbi Darvon va dire, non, je ne déduis pas à la verticale, mais je déduis à l'horizontale. Je suis toujours Mahmir, je suis plus strict, plus rigoureux sur le Keren que sur le Shen Veregel, et de ce fait, Keren dans le Rishut Ayachid, dans le domaine privé, sera toujours plus strict que le Shen Veregel. Et donc si Shen Veregel, il faudra payer 100%, donc il faudra payer 100%, c'est ce que j'ai écrit ici en rouge. C'est la grande question, c'est l'énigme, que Chachamim dise paye 50%, et Rabbi Tarfon nous dit paye 100%. Chacun va aboutir à sa manière.
toujours Rabbi Tarfon, ce sera parce qu'il fera la déduction par Kal Vachomer, et Chachamim qui vont le limiter, qui vont dire non, au maximum, au mieux de ta forme que tu peux déduire, c'est donner 50% uniquement, parce que ton élément de comparaison sera toujours le Chati Nezek. On a réussi à le défendre, on n'a pas encore abordé la partie compliquée de cette Mishnah. Pour le moment, je pense que tout se passe bien, et on va faire tout ça avant les mots. Amar Lahem Rabbi Tarfon. Donc Rabbi Tarfon va venir se justifier. Peut-être qu'il reste comme ça, on suit avec le tableau en même temps. Uma bimkom shekel à la chaîne vers la regel birchut arabim. Et regarde qu'est-ce qui se passe. Dans le reshut arabim, la Torah a été plus, moins stricte, a été plus cool avec l'endommageur, puisqu'elle a rendu patour, chez vous patour. Et malgré tout, dans ce même endroit, sur ce même chaîne de regel, la Torah a été très stricte. Par contre, quand il est rentré dans le reshut à Nizak, d'accord ? Et Khmir Alem, Birshut Anizak, Neshalem, Nezek Shalem. Quand tu entres dans le Rishut Anizak, il faudra payer Nezek Shalem intégralement. Makom, donc dans ce cas-là, maintenant on passe dans la deuxième colonne. Makom chez Khmir ala Keren, Birshut Arabim, Neshalem, Khati Nezek. De ce fait, quand la Torah a dit, tu sais quoi, que Keren, je te laisse pas passer celui-là. Même dans le Rishut Arabim, tu payes Khati Nezek. Enodin chez Nachmir Alea, Birshut Anizak, Neshalem, Nezek Shalem. N'est-ce pas plus forte raison que quand on va vouloir maintenant condamner quelqu'un sur le fait que son taureau a encore né dans le reshut à Isaac, n'est-ce pas plus forte raison qu'il faudra le faire payer Nezek Shalem, plein pot ? Amroulor, Ramiel on dit non, là ça va pas du tout. Dayol abaminadin liyot kanidon. Ça lui suffit pour le comparer, d'être au mieux comme le comparant. Or, ton comparant, c'est 50%, ouais. Ma birshut arabim khatsinezek. Autant que dans le reshut arabim, tu me dis de payer que khatsinezek. Af birshut anizak khatsinezek. Dans le domaine privé aussi, tu ne payeras que khatsinezek, la moitié du dommage, 50%. Amarlem, Rabbi Tarfon revient à la charge. Ani lo adun keren mi keren. Ani adun keren mi regel. Je ne vais pas déduire keren de keren. Je vais déduire keren de regel. Je ne vais pas déduire. Le reshut ayachid, où je te dis qu'il faut être plus strict, plus rigoureux que dans le reshut d'Arabi, mais dans ce cas-là, tu me limites et tu me dis oui, mais combien plus ? Peut-être 50%, peut-être 60%, 70%. Comment est-ce qu'on va fixer les limites ? Alors tu sais quoi ? Je vais attaquer le problème d'une autre manière, sous un autre point de vue, à l'horizontale. Je vais comparer Shani Regel et Keren, et je vais te dire comme ça. Amarem anilo adun Keren mi Keren. Je ne vais pas déduire Keren de Keren. Je vais déduire ani adun Keren mi Regel. Uma bim kom shekel à la chaîne va la regel birshut arabim. Regarde, là où la Torah était plus permissive, moins stricte sur le chêne et sur le regel dans le birshut arabim, parce que je paye rien du tout. Oui, echmir ba keren. Et là, le retour dit, tu sais, keren, oula, je te laisse pas passer celui-là. Tu payes chassin ezek. Echmir ba keren. Ma kom shekhmir à la chaîne va la regel birshut anizak. Quand la Torah était mahmira sur le chêne et sur le regel dans le reshut anizak, dans le domaine de l'endommagé, alors, enodin shenachmir bakeren, n'est-ce pas plus forte raison que lui aussi devra payer 100% parce que la colonne de gauche est toujours plus stricte que la colonne de droite. Or si dans la colonne de droite tu explicites 100%, alors c'est sûr que dans la colonne de gauche il faudra m'expliciter 100%. Et là, Amrolo Chachamim l'ont dit non. Dayo la baminadin liyot kanidon. Ça lui suffit sur le baminadin, celui le comparé à celui qui est venu minadin qu'on a déduit par le Kal Vachomer, par la fortiori, liyot kanidon. Qu'au mieux de sa forme, il sera comme le nidon, comme celui le comparant, celui qui lui apprend la halakha. Ma birshut arabim khatinezek, autant que dans le reshut arabim, tu me dis de payer que khatinezek, a birshut anizak, khatinezek. On a fini la lecture de la Mishnah, et je suis sûr que tout le monde se demande, mais qu'est-ce qui avait été compliqué ? C'est normal, j'explique très bien. En fait, non, on n'a pas du tout abordé le dur problème de l'histoire. J'ai peur d'affronter, mais je pense qu'il faut quand même le dire, c'est pas grave. Ceux qui n'ont encore pas compris, c'est pas grave. D'abord, j'explique très mal, je pense. Et puis, ceux qui ont compris, tant mieux, vous inquiétez pas, on passera dès demain, les Mishnayot reprennent un cours tout à fait normal du Mishnah.
On va faire d'abord un petit cours de Chumash, rien de compliqué. Parashat Be'alotra, la Torah nous raconte l'histoire de Myriam qui a parlé du Lashon Hara contre son frère Moshe Rabbeinu. Alors, elle a été frappée de lèpre, et Moshe Rabbeinu a prié à Hachem, en lui demandant « El na refana la, Hachem s'il te plaît, guéris-la. » Alors Hachem lui a répondu « Ok, je ne vais pas être très strict, mais quand même, un petit peu. Regarde, va yomer Hachem el Moshe, ve avia yaro ki arak befanea, alotikalem shivat yamim, tisager shivat yamim michut la machane, ve achar te asef. » Hachem répond à Moshe, regarde, si j'étais uniquement son père humain de chair et d'os, et que je l'avais fait un... je me serais fâché avec elle. Yaro ki arak befanea, c'est que je lui avais fâché de moi-même, ça signifie que je me serais fâché avec elle. Alors qu'est-ce qu'elle aurait fait, elle, de manière naturelle? Elle aurait pris un petit peu de recul, à l'otikalem, elle serait partie s'isoler, un petit peu réfléchir, méditer sur son écart, Shivat Yamim, durant 7 jours. Alors tu sais quoi? Tisager Shivat Yamim Michut la Machane. Alors que Myriam, elle aussi, se fasse enfermée, se fasse isolée en dehors du campement, pendant 7 jours, Ve'achar Te'asef. Et après ces 7 jours, elle pourra regagner le campement, et le campement continuera son évolution vers Eretz Israël, avec malheureusement tout ce qu'il y a eu dans le Moïse Bamidbar, mais là n'est pas notre propos. En tout cas, concrètement, de là on apprend deux choses. Le Kal Vachomer et le Dayo. Hachem a dit, regarde, si j'étais même uniquement son père, de chair et d'os, j'aurais dû, elle aurait dû au minimum quand même, prendre du recul et partir s'isoler pendant 7 jours. Donc pour moi, Hachem, n'est-ce pas plus forte raison qu'elle doit au moins prendre ce recul pendant 7 jours. Oh. Donc, on apprend une déduction, mais on apprend aussi que quand on déduit, on n'a pas le droit de rajouter des jours. D'accord? Donc on apprend à la fois le Kal Vachomer, Hachem a fait un Kal Vachomer, mais aussi Hachem a fait un Kal Vachomer sans être Mechayev plus. La Gemara explicite qu'en théorie, il y a une raison logique à punir Myriam pendant 14 jours. Parce que si pour Hachem, on donne 7 jours, pour la Shrina, il aurait fallu donner 14 jours. Pourquoi? Plusieurs raisons. Peut-être parce que Hachem joue quelque part un double rôle, Keneged, autant que le père, un rôle de père et de mère en même temps. Ou bien parce que... Bon, d'accord. Il y a un tout ça qui explicite. Ouais, c'est déjà, d'accord. Il y a une certaine logique, parce qu'en fait, on peut le dire aussi, c'est que ça marche par unité de 7 jours. Partir s'isoler, ça dure 7 jours. Maintenant, tu veux t'isoler beaucoup, donc tu fais 2 fois 7 jours, 3 fois 7 jours, 4 fois 7 jours. Donc, premièrement, tout doit fonctionner avec des unités de 7 jours, et puis pour la Shrina, il faut en donner plus, donc ce sera forcément 2, dès qu'on a passé de 1, on passe forcément à 2, et malgré tout, Hachem nous a dit que quand je déduis par Calva Romer, je ne peux pas donner plus de déduire d'ailleurs la Baminadine Liot Kanidon, donner uniquement, mais au maximum, au mieux, le statut, le même statut que le comparant. Voilà pour le Dayo. Si vous faites attention maintenant dans ce que je vous ai dit, il s'avère que mon super exemple de tout à l'heure avec la mastodonte et le petit gringalet qui n'est pas capable de porter que le grand, est-ce qu'on pourra lui donner 11 kg, 12 kg, c'est à moitié vrai, mais c'est aussi à moitié faux. C'est-à-dire, il y a des fois où il y a une certaine logique à donner plus au comparé qu'au comparant, avec une certaine proportion, 2 fois plus, 3 fois plus. Et malgré tout, je ne déduis pas le Dayo. Et malgré tout, je ne déduis pas par Kal Vachomer, par, a fortiori, à cause du Dayo, je limite, malgré tout, parce que la Torah m'a dit Dayo. L'idée est claire? Ok. C'est-à-dire, si maintenant on veut maintenant... arrêtez de parler de tourner autour du pot et maintenant revenir sur notre Mishnah. Il s'avère qu'en fait la Gemara nous explique que Rabbi Tarfon pense que je déduis par Kal Vachomer, je me permets de déduire par Kal Vachomer, par a fortiori, même quand, c'est-à-dire, à partir du moment où je peux, excusez-moi, je recommence, à partir du moment où je peux faire une déduction par Kal Vachomer, je la ferai. Et si, quand tu vas me dire, non mais Dayo, tu vas me limiter, à cause de ça, il va s'avérer que mon Kal Vachomer ne m'a plus rien appris, et bien dans ce cas-là, c'est la déduction du Kal Vachomer qui va l'emporter, et je vais me permettre de faire le Kal Vachomer pour apprendre plus. Tandis que Chachamim vont me dire, non,
le Dayo l'emporte. En fait, finalement, c'est un rapport de force. Rabbi Tarfon nous dit, Dayo, la règle du Dayo, de limiter le Calva Chomer, c'est vrai que c'est intéressant, mais si à cause de ça, il ne va plus rien rester du Calva Chomer, alors Hachem m'a transmis la Torah en me disant, déduit par Calva Chomer malgré tout, et selon Chachamim, alors là, ça se dépolarise, c'est à l'envers, non. Le Dayo l'emporte toujours. Le Dayo, c'est une règle de fer qui laisse rien passer, et puis quitte à ne plus rien déduire par Calva Chomer, ne fait pas de Calva Chomer. D'accord ? On en a assez dit. Je pense que maintenant, on peut faire le Bartenora. Ceux qui en veulent plus, qu'ils ouvrent la Mishnah avec les commentateurs et qui comprennent davantage. Pour notre propos, c'était franchement déjà pas mal. Si on a réussi à intégrer tout ça, on a bien évolué. On va faire maintenant tout ça dans le Bartenora très rapidement. Et voilà. Alors, Naga, Félixi que dans le Bartenora, il s'apporte maintenant pour l'an sur la Risha. C'était tous les cas de dommages qu'on peut causer par Keren, qui sont tous des Kulan Toldot Keren Hen. Ce sont tous des dérivés, des dérivés de Keren, du Nezek de la Corne. Dayo la Bamina Din Liyot Kanidon. Keren Birshut Anizak Shata Mevi Midin Keren Birshut Arabim. C'est-à-dire, le comparé qui sera le Keren Birshut Anizak, le comparant plutôt, qui est le Keren, non, le comparé, qui est le Keren, si je m'embrouille, on va pas s'en sortir. Je me calme et on reprend. Keren Birshut Anizak Shata Mevi Midin Keren Birshut Arabim. Ton comparé, le Keren Birshut Anizak, dans le domaine, dans la propriété de l'endommagé, il ne peut pas être plus grave que le statut du Keren, de la corne qui est encore dans le Birshut Arabim. Dekamata Keren Shirmir Alea Birshut Arabim, Enodin Shenachmir Alea Birshut Anizak, pour ce que tu as osé me dire, que, à plus forte raison que quand on va rentrer dans le Birshut Anizak, dans la propriété de l'endommagé, qu'il va falloir être plus Mahmir, Dayol Yod Kanidon, je ne te permets pas de lui donner un statut plus strict que le comparant. Et Keren Birshut Arabim, il pourra au mieux de sa forme être comme le Keren Birshut Arabim, Velo Yechayav Birshut Anizak, Ela Khatinezek, Kmoshu Chayav Birshut Arabim, et donc dans ce cas-là, on ne le rendra Chayav dans le Birshut Anizak que Khatinezek, comme dans le Birshut Arabim. Parce que ça, Rabbi Tarfon leur a répondu, Anielo Adon Keren Mikeren. Ok. Même par votre déduction, je ne vais pas apprendre Keren de Keren, Kedam Ranleel, je ne vais pas le faire dans cet ordre, à la verticale. Et là, parce que c'est vrai que si je fais à la verticale, donc mon comparant, c'est le 50% du Rechut Arabim, je ne pourrais pas donner au Rechut Ayachid un statut plus strict. D'accord? Kedam Ranleel. Et là, Keren Regel, à l'horizontale. Makom, Shechmir Alav, Beshen Regel, Enodin, Shechmir Bekeren. Là où la Torah était plus Mahmir sur le Shen Regel, n'est-ce pas plus votre raison que je vais être Mahmir sur le Keren. Et sur ça, Chachamim l'ont quand même répondu. Dayo Laba Minadin Liot Kanidon. Finalement, tu as toujours besoin de comparer. Parce que quand tu établis ta hiérarchie, tu as besoin quand même d'utiliser le tashloum dans le Rechut Arabim, qui est le Khatinezek dans le Rechut Arabim, tu ne pourras jamais aboutir maintenant, en utilisant cet élément-là de comparaison, aboutir maintenant à ce que là tu vas payer plus, parce que le comparé ne pourra jamais être plus que le comparant. Je suppose que certains voient une ambiguïté. Alors, il y a Tosfot qui s'occupe de ça, et tous les Mefarshim, vraiment, qui se cassent les dents pour essayer de répondre à ça. D'ailleurs là-bas, Minadin, des sauf, ilav, keren, birshut, arabim, l'omashkachat, tzad, kalva, chomer. Parce qu'au final, si ce n'était le fait que tu fondes toute ta déduction sur le keren, birshut, arabim, sur la corne qui est encore dans le birshut, arabim, l'omashkachat, tzad, kalva, chomer, tu ne trouves aucun cas de kalva, chomer. Tu ne réussis pas à trouver un kalva, chomer. Maintenant, vers Rabbi Tarfon. Rabbi Tarfon maintenant lui-même, pourquoi finalement il s'entête? Afargav de Béalma, itne dayo, behemet. Dans toute la Torah, il tient la règle du Dayo, de limiter le Kalva Chomer. Parce que Demideoraita ou Dirtiv, Aloti Kalem Shivat Yamim, Kalva Chomer Lashrina, Yudaled Yom, comme on a expliqué, c'est marqué Meforage dans le Chumash, Béalotra là-bas dans Bamidbar. Parce que la Torah elle a dit, Tikalem Shivat Yamim, qu'elle devra avoir honte durant 7 jours, Kalva Chomer Lashrina, Yudaled Yom. Et Aval malgré tout, qu'est-ce qu'on peut faire? Dayo là-bas, Minadin Liot Kanidon. Et donc on déduit la règle du Dayo, là-bas, Minadin Liot Kanidon. Il Sager Shivat Yamim, Vetulo, malgré tout, on la fermera 7 jours, et pas plus. Donc, de toute cette paracha-là, on apprend qu'on tient la règle du Dayo. Mikol makom hacha let le Dayo. Malgré tout, ici, Rabbi Tarfon pense qu'on ne peut pas appliquer la règle du Dayo. Pourquoi? Desiralel Rabbi Tarfon, dechem rinan. Dayo, echadalom yifrir kalva chomer. Je ne te permets de me dire le Dayo uniquement lorsque tu ne vas pas réfuter complètement le kalva chomer. Kigonatam, dishiratem im dishrinalo kive, parce que là-bas, même enfermé Myriam pour avoir fait une avéra pendant 7 jours,
Même ça, c'est un frigo qu'on ne connaissait pas. Donc tu m'as quand même appris quelque chose avec ton Tavachomer. Tu m'as appris que Michlal, il faut quand même la rentrer à Yébet. A ta Tavachomer, Aïta Armissa. Donc dans ce cas-là, tu veux aussi rajouter ton Tavachomer. On me dit, ouais, mais par Tavachomer, je vais tenir sur 14 jours. A ta Dayo, à Pichiva. Donc le Dayo, il est venu, il m'a dit, non, hey, tu te calmes, tu te limites à 7. Mais ok, Shiva, mais on a quand même déduit quelque chose. Ishtakar, d'année Tavachomer, l'année Shiva, d'Okimna, Velo, il frise la gamme. Il s'avère que malgré tout, on a réussi à maintenir le Tavachomer, la déduction par la force Yomri, pour au moins l'appliquer pendant 7 jours. Avalacha Khatinezek Ktiv, Ben Bejuda Rabbi, Ben Bechatseran Isaac. Mais dans le Keren spécifiquement, quand j'ai écrit ici Khatinezek, 50% dans le Rejuda Rabbi, Rabbi Tafan nous dit c'est faux, c'est pas écrit dans la Torah que c'est dans le Rejuda Rabbi. La Torah a dit tu payes toujours au moins 50%, donc même dans le Rejuda Yachid. De ce fait, savoir que je paye 50% dans le Rejuda Yachid, c'était pas quelque chose que je connaissais par la Torah. C'était quelque chose que je connaissais plutôt par la Torah, c'est pas quelque chose que je connaissais par a fortiori. Avalacha Khatinezek, Ktiv Ben Yoshet Rabim Ben Khatran Isaac, Batakal Bachomer, Vaite Khatinezek, Acharina Venasa Nezek Shalem. De ce fait, il viendra le Khatkal Bachomer et ajoutera un deuxième Khatinezek, il viendra payer deux fois le Khatinezek, donc Nezek Shalem. Ida Ashta Dayo, Vetukma Khatinezek Kedemeikara. Si tu vas oser appliquer ta règle du Dayo et le limiter à Khatinezek Kedemeikara, tu le limiteras à payer juste 50% comme ce que tu savais, il ferait le Kalvachomer, Velohane Velomidi. Il s'avérera que tu auras complètement détruit, pulvérisé le Kalvachomer, et il ne servira plus à rien ton Kalvachomer. Des Rabbanan Savré, et malgré les Rabbanan, qu'est-ce qu'ils pensent? Des Afilou Echad et Mifrir Kalvachomer, Amrinan Dayo, Khamim pense que même quand tu, même quitte à mettre en péril ton Kalvachomer, eh ben tu te tiens à la règle du Dayo, qui l'emporte, Ve'alacha Kechachamim, en vous souhaitant une excellente journée pleine de Hatzlacha et un Shabbat Shalom. Kol Tov.